Salut à tous, ici Fornik, je casse la game en faisant Cooper Queen à AoN. AoN, ils ont commencé par pick 10 maiden. Ils ont direct commencé par prendre leur support. Là, on a un jug et un Ursa. Plusieurs trucs possibles, je pense que ça va partir sur un jug mid, probablement. PQ, ils ont commencé par Tide Visage, donc sûrement Visage support. Hein. Tide of Lane, Barra, Roaming, Roaming support, ouais. Il leur reste les mid et leur le carry. S'ils partent pour un mid contre un jug, je sais pas trop. Ils ont plusieurs choix possibles. Contre un jug, je connais pas trop les mid, moi. Contre un jug, Lina. Bon, je sais pas si c'est l'idéal parce que level 6, jug peut quasi OS Lina. Et il a un BKB intégré, ouais, mais bon, l'avantage c'est que ça peut rafaler de loin et en teamfight c'est pas dégueulasse parce que ses potes c'est Spirit et Tide, donc eux ils vont rester plutôt devant et elle tapera derrière tranquille. Par contre, AoN ils ont ban OD, ça je comprends pas trop. Enfin, je pense que c'est évident que c'est dynamite pour eux. Ils ont ban Storm, ouais, ils ont peur de. PQ, ils ont peur au cas où qu'ils prennent un gros mid parce que c'est possible que AoN il fasse deux lanes de farm quoi. Genre un support un carry, un support un carry et un mid. Donc là PQ ils prennent leur carry. Oh là là. Moi je vois bien un Slark, pourquoi pas un Slark. Là il est pas bad. Oh, Drop Blade. Ouais, Rafale toujours. Rafale. Là donc ils ont le choix, ils peuvent prendre un mid, ils peuvent prendre un offlane tanky. Ouh lolo, c'est un mid. Ouais, du Zamid, ouais. Après, Jug Maiden d'un côté, Ursa Disp de l'autre. Privé, Disp qui rotate. C'est pas trop dégueulasse. Ici, ça va être Dynamide, Terror Blade avec visage, Tide off, et Barry va gratter le Disp jusqu'à être level 2-3 et il va commencer à gank. C'est bien moins. Enfin. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de jungler du côté AoN parce qu'ils peuvent mettre pour ça jungler. Mais s'ils font ça, ils vont se faire démonter niveau lane parce que Tide déjà solo, ça fait très très mal. Et Barra en plus qui va roam, ça va gank facilement un peu partout. Du coup, s'ils décident de mettre un jungler, je pense qu'ils vont être énormément pénalisés. C'est mon avis, quoi. Qu'est-ce qui tire le corps? Maiden, alors c'est tri, on garde. Il doit avoir deux wards normalement. Une sentry avec lui, Steel Shield, Killing Blade, ça me fait un peu peur. Je sais pas qu'est-ce qu'il a en tête, je sais pas du tout ce qu'il a en tête. Oh, ça va pas être un jeu, il va jungler. Oh là là, il y a des gens qui ont ces méta. Oh là là, tu veux pas aller bot, tu grattes jusqu'au level 2 et après tu butes. Shield Killing Blade, il faut vraiment faire. Il a vu une vidéo sur YouTube ou quoi? Et souvent, c'est ça. Battle. Pareil, il va vraiment jouer. Ça va me faire mal aux yeux. Ici c'est pour sa top. C'est mais il rentre top aussi. Là, on a smoke pour mettre la ward parce que
Je pense qu'ils auraient vu sinon. Ouais, ils auraient vu. Mais non. Là, ils auraient vu si. C'est le moment. Taïtsuno, ça c'est lourd. Ouais, ils ont décidé de mettre Trilane Bot. Ok. C'est un choix. Du coup, Trilane Bot. Par contre, s'il aurait pris la charge, ça aurait été un S First Blood du coup, top. Parce que. Ursa, il a rien pour back en fait. Il a une ok, il a une stock shield, mais à part la stock shield, il court quoi, il court à 310, bon, après qu'il court vite, mais là ça doit être dans le outplay direct. Pire, il est... il a déjà raté 10 secondes de jungling, 10 secondes de jungling, il va stack full, ok, oh là 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 là. Ça. Zéro ça les gars, zéro ça, le mec qui va stack cool la première minute. Zéro. Zéro les gars. Voilà, ton carry il a 500 PV. Ton carry il a 500 PV au début. Il a raté déjà deux last hit, ton carry. 500 PV. 400 PV, perdu 100 PV, raté 3 last hit. Hop, continue. 5, il l'a. 3, il l'a. Et voilà. Perdu. Il a perdu 100 PV, il a raté 5 last hit et sa lane push. Tout ce qu'un carry n'aime pas. Ton Blake, il faut quand même donner des petits coups d'eau. Des petits coups de vent, non? Oh! Le Kistel. Bon, il aurait pas dû faire Stone Shield, le Spirit Breaker, s'il pensait poule poule poule. Enfin, il devrait rush le poule. Poule poule. Poule poule. Non. Late. Ça va prendre très très bas. Ça passe. Là, donc, du coup, le Ursa il farm en plus. Là, il en a plus un. Bon, un mec qui est comme ça, pour moi, ça devrait se faire viol quoi. Anyway, let's look at the mid. Ok, look at the mid. Picado, Picado. On va commencer à lancer des snakes, je pense. Ouh, la site de mid. C'est un peu bizarre ce timing. J'aurais dit qu'il ne l'aurait pas ici. Il n'a pas encore utilisé son strike, mais il est 10 émotions. Level 3. Pour ça, level 2. Faut violer là, les gars. Faut violer, le violer. Transformation, soit paradin pour un kill. Oh, oh la chance, Lucky Stun. Lucky Stun. 17%. Il y a des modes qui doivent se dire ça dans la tête. 17% VI. Sauter d'un pilier pourcentage. Kill for Junior. Trop de luck quoi sur le sur la dernière auto. Interroblade, il était un peu radin sur le multi. Hein. T'as un kill, tu me lances, tu t'en fous. C'est First Blood, tu vas récupérer la mana petit à petit. J'ai décidé de faire monter la BD. La position des wards dans cette team. Le ski, d'ailleurs, c'est AoN. AoN, ils ont une ward ici. La deuxième ici. Ils ont même une... Oh, ça smoke. Attendez, on va suivre la smoke. C'est barra visage, parti sur du ZA, sont partis pour engage, puis premier, douche, stun, bien, premier, douche. C'est tanky cette merde. Oh, bien joué. Ah oui. Ah ouais, ok, désolé. Ah, y'a Cassie qui ne m'entend pas. Audio, on va vous ouvrir. Je vais dire que je viens de le faire. Je viens de le faire. Hop, deuxième kill. Hein, très bonne rotation de PQ. Tide bot. 17 last hit, baby rage 18, on lui donnait un 20. Oh, ils sont repartis, hein, on va tuer,
pour avoir la dalle, bien ça. Oh, bien carnage. Bien, bien. Bon, je te pardonne, t'as que les blades tout chill de l'early là, parce que bon. Moi, t'as fait du bon, t'as fait le bon barra, quoi. Un kill mid, deux kills sur Ursa, rien à dire. Qu'est-ce que je veux dire, je voulais voir leur ward, ils en ont posé une ici, je sais pas où leur deuxième ward. Enfin, la deuxième est née. Mais ici aussi. Okay. CM est un peu perdu dans la game. Elle sait pas trop qui elle doit aider, comment elle doit. Par contre, le Tide il est parti un peu de jump, ça je suis pas trop fan. Hein. Devrait rester sur sa lane, éclater le jug. Problème c'est que bon, il se fait peut-être de la thune, mais le jug aussi il se fait de la thune et. Jug il pourrait le tenir quoi. Là, c'est sûr que tous les AoN vont monter parce que ça se fait trop démonter. Toujours, coup de poing Terrorblade, coup de poing Terrorblade. Oh, j'ai pas peur. Ouais, visage c'est un support un peu bizarre parce que c'est pas un support fragile. C'est ça le truc. C'est pas un support fragile du coup. C'est dur. En plus ils ont engagé un peu comme des barbares là au AoN, ils sont dit on est trois, allez on y va direct. Et en face aussi ils sont trois et en face aussi ils ont eu un peu d'avantage sur quelques kills. Barra par exemple il a stick bot. Ça a l'air de rien mais pour le moment ça le dépanne quoi. Lui il a bot, donc pour le moment aussi ça le dépanne. Lui par contre je sais pas ce qu'il fait, c'est un coursier. Il fait une Midas, je suis pas trop fan mais. On va dire ça passe. Cool. Très greedy comme même de faire Midas et de parier. C'est que quand tu fais Midas, tu paries un peu sur le late game. Le late game en face, il y a du d'ailleurs sa jug. Oh là là, je préfère remake direct qu'il fasse une dragon lane et qu'il push comme un chien dès la 20ème minute. Je préférerais qu'avec dragon lane, il prenne tous les T2 quoi. Hop, ça repart. Petit carnage qui font le romine. Ils ont pris le jug comme cible. Ouais, pourquoi pas, c'est une bonne cible. Tide toujours pas mal, hein. Tide 30 lastic, chain of lane, level 7. Ouais. Le truc c'est que l'offlane de PQ, c'est Tide. Et Tide en solo, ça tient plutôt bien. 1v2 ça tient bien. 1v3 ça peut jungler et ça peut plus ou moins tenir. Alors que Ursa, 1v2 ça galère, 1v3 ça se fait viol. Et Tide lui, 1v3 ça se fait pas viol. Oh, très bien l'ulti. Ah lui il est paradin, il a été bien là. Un paradin. Pff, on s'en fout. J'utilise Ravage, c'est pas un problème. 150 secondes, bon c'est pas grave, c'est jug, ça vaut largement. C'est un bon pick up tranquille, safe. Ouais. C'est le smoke, ouais, j'aime pas comment AoN ils utilisent leur smoke. Ils ont utilisé deux smokes pour mettre des wards. En early elle en a mis une ici CM et une ici. Le problème d'utiliser les smokes c'est que t'as 10 secondes de cooldown, du coup là. Tu commences avec 3, ça pourrait tenir 30 minutes théoriquement. Enfin, la première ressortira à 30 minutes. Du coup, là, j'en ai utilisé 2. Non, 10 minutes. 10 minutes, j'ai dit. Ouais. Donc la première ressortira à 10. Là, il ne reste plus que une seconde dans le truc. Ils en ont plus que 2 entre 10 et 20. C'est pas. Bon, les smokes, ça peut servir. Surtout que là, je pense que PQ vont jouer early game. Faut plutôt les garder, je pense. Faut les garder. Oula, du calme quand même. Il est level 7, hein. Omnislash, style Omnislash. Omnislash, ça viole toujours. Ils ont fait laisser le top. Bon, le visage est descendu bon. Bon, il devrait remonter top, je pense, hein. Son carry, il souffre.
passe. Putain, il devrait revenir sur sa lane, il jungle un peu trop, je trouve, je suis pas fan. Ah, t'es pas jungler, t'es offlane. Le problème de ça, c'est que du coup, il y a quelqu'un qui est obligé de compenser le bot. Et vu que quelqu'un compense le bot, et ben c'est le top qui galère. Enfin, qui galère, il galère pas, mais ah, il pourrait encore killer over kill au top. Là, ils peuvent pas parce qu'ils sont coincés au bot. Grenache chope son 6, là, c'est bon, ils doivent partir. Chope son 6, c'est bon, tu pars. Avec Osmo 4-3. Ça farm, junk farm. Ah, il devrait push les lanes là, déjà. Comment ça s'appelle? PQ, il devrait forcer les lanes parce qu'ils ont déjà. Ils ont un mid et un carry qui jungle. Ça a peur, ça a peur. Oh oui, non, parfaitement raison, elle a plus de mana, elle a jungle tout à l'heure. Oh. Pas de pitié. Bon. Et pas de pitié envers la Dusa pour le moment parce que dans 20-30 minutes c'est elle qui aura aucune pitié pour vous donc bon, je vous push maintenant quoi. Ouais. Avec Lina truc ça push comme des bâtards. Lina Terrorblade ça doit push comme des bâtards et pas assez. Oh pour Man Shield alors qu'il est riche. Ah c'est un Man Shield c'est un peu un item du pauvre tu vois. Tout bien je dirais. Ah, si on regardait ici mais ils ne le savent pas. Du coup. Ouais non il va avoir la charge mais il va l'avoir un peu tard par contre. Donc, il va l'avoir un peu tard, c'est ce que je disais. Oh là là. Ça le ramène loin. 5 secondes il était loin ouais. Ah oh, ça par contre ça fait mal ça. Swap de vie. Oh là là, ça c'est vraiment trop cheat, laisse tomber quoi. Laisse tomber quoi. Léléna, c'est trop cheat ça. Allez, tout droite. Charge, non. Ah, il est. Ah, si c'est bon, Barra il a bientôt son outil et ça revient instant. Pas besoin. C'est trop cheat le Thunder. Le Ursa il a oublié de calculer ça. Le truc c'est que CM la route, le truc du route c'est que tu bouges pas, enfin tu peux pas attaquer, tu peux pas bouger mais tu peux tourner, mais le pire c'est que tu peux lancer des sorts en fait. Du coup même s'il était route, il est pas stun et il était en train de se retourner vers sa maison, il avait juste à se retourner comme ça vers l'Ursa et il le mange. Et ouais, le route c'est pas un stun, c'est bien à savoir. Oh, il y a une cintre. Elle le voit pas de peu. Il lui manque quelques millimètres, elle voit la ward. Ouais. Elle a cru qu'elle l'a mis à l'ouverture, ce qui est plutôt logique. Et ils l'ont plutôt bien caché loin. Oh, c'est pas mal ce spot. Pas mal. Elle devait penser que c'était ward par ici. Test micro. Oh, ça marche pas. Ah mince, c'est pas moi truc, c'est quoi équipe. C'est pas bon, mon dieu. Équipe, ouais voilà. Oh désolé, j'ai raté une fight. Plus là y'a ça, ulti Barra. Oh lolo, ulti Dusa. Oh, ça va faire mal. 2, 3. Oh, well play. Oh, le Roshan, attention. Bien joué Carnage. Il s'est bien sauvé. Lina qui rotate, le mana, ah, ça va partir sur Dusa, ça tente Dusa, ouais. Ouh la Dragonlance, oh ouais, tu lui sauves de vie mais tant même tu en as pas mal. La Dragonlance elle est dans mon backpack, attention. Attention. Oh ben j'ai oublié le... Ah Barra. Oh ouais mais il peut pas se faire la CM sans ulti. Ah, c'est... Même la CM elle peut le tuer si elle joue bien. Ouais, c'était juste pour courir. Et ils ont pas encore forcé de tour PQ1. Pourtant niveau score il démonte. Jug il est en train de AFK farm, jungler. Il devrait forcer bien aussi. Oh, c'est le même.
Je casse une game. Yes. Ah ouais, mais c'est ce vécu. Alors ça, il commence à fondre. Vécu domine. Mais il touche pas. Je pense pas. Je pense pas. Qui gère le bait. Oh, ça se fight de mine, c'est mes bons. Yes. Pushy les gars, pushy, vraiment, vous êtes vraiment en retard niveau pushy, oui. Ok, non pas lui, c'est lui qui est en main. Ok, il tape mais sans but, sans métamorphose, non pas beaucoup. Peu overdive, hein. Il y a un peu beaucoup. Peut-être que les bébés. Oui, oh, il a pas tenté avec les bébés. Oui. Ouais, bien, bien, ça faut un peu le calculer ça. En plus, il a pas pu lancer son ulti instantanément. Ouh, CMC. Aïe, 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 en plus, il a raté le stun. Oh là là. KVL, c'était un peu bad ça. Un peu bad ça quand même. Il a pas aligné son stun. Bon, c'est pas grave, au moins ils ont pris 2-1. Ça fait un bail qu'on attend ça. Lui il oublie d'utiliser son Dominator. Il a un L mais il l'utilise pas. Enfin, l'avantage d'avoir utilisé le Dominator, tu peux push quand même. En plus ici je pense que il avait le creep du heal. Oh moi j'aime bien ce creep. Il te donne plus 3 de régène et avec toute la régène que t'as, tu tentes tout ce que tu veux quoi. Plus il peut faire, enfin, tu peux lancer des sorts avec. On va prendre la cata. Non, même pas. Dans la farmer. Là. T'as dû push depuis longtemps, je garde d'autres. Là, ils étaient en train de prendre le mid et le top en simultané. C'est quasi sûr qu'il y avait personne sur ta lane. Et même s'il y en a un, maintenant tu t'en fous parce que t'as juste un omni slash tourné et quasiment sûr qu'il est mort. Donc c'est pas super de sa part. Bon, ça il dit ouais. J'ai oublié de coller le lifesteal. Ça compte beaucoup le lifesteal. Bon, c'est tri. On va voir un peu niveau. Ça c'est la city night niveau call. C'est touche. Il est bien le terror. Ouais. Le problème c'est qu'évidemment les mecs en face aussi sont pas trop dégueulasses. Plus s'ils forcent pas, ils farmeront. Parti first item manta. First item manta, j'en pense quoi? Ça dépend, est-ce qu'il y a des trucs à debuff? On a vite fait. Est-ce que Lincoln aurait été intéressant? Je pense que Lincoln aurait été intéressant quand même. Bref. J'aurais préféré qu'il parte sur une... Enfin, si ça aurait été moi, j'aurais préféré qu'il parte sur une... Persévérance, Yasha, Lincoln, Manta. Ouais, ça retarde à fond la Manta. Mais de toute façon, la Manta, c'est pas trop pressé. C'est pas comme si elle a énormément de dégâts. Enfin, pour le moment, le seul tag de la Duna, c'est d'ulti, quoi. Bon, elle a pas de TP sur elle. Par contre, ça, c'est bad. Ça, c'est en train de se battre. Bon. Ouh, la CM, comment elle a géré le Barra? Oh là là, il était en train d'ulti et bim, il bouge plus. Ouais, donc ça Roshan. Lui, il entend le sender. Oh, yoyoyoy, Omni Slash. Il a essayé de partager. Oh là là, il a l'instant de tourner le jug et il a passé l'ulti de Tide. Oh, ça joue au mer. Hein, la stun, elle a pu courir. Ursa est mort quand même la deuxième fois. Les autres, ils ont plutôt survécu. Il a même pas utilisé le sender. Hop, lui, il n'a pas pu tuer la Lina. Ta, juste le Barra qui s'est fait gérer par la mainette, les autres ils ont un peu galéré. Le Duza pas de TP, ça c'est pff, erreur fondamentale quoi. Oh là là. Juste un ulti, juste, c'est tout ce qu'elle avait à faire. Ulti Snake, après elle fait des petites autos, même si ça chatouille, c'est pas grave parce que ulti de Duza, comme on le sait, ça augmente les dégâts physiques, c'est bien ça? Ouais. 50% de dégâts physiques en plus, et Ursa, enfin. Juggernaut son Omni Slash c'est physique,
En plus, ceux qui savent pas, quand il l'omni slash. Mais qui a écrit ça? Jirama. Qu'est-ce que je vais dire, lui? L'omni slash, c'est dégâts physiques. Et pour ceux qui savent pas, en même temps qu'il fait les dégâts physiques du jump, il fait des auto-attaques en simultané. Le Juggernaut, ce qui fait que niveau physique, ça fait vraiment, vraiment beaucoup. Et Ursa, son troisième sort aussi, c'est physique. Du coup, voilà quoi. Physique plus physique, ça fait 1 milliard de physique. Elle a juste la ult et elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait son taf quoi. Bon, de peu, il a eu de la chance, Chi. Une seconde en plus et la ward allait tomber toute seule. Par contre, je sais pas comment il a fait pour la ward, il l'a mis en bas ici, ok. Non, mais Nen, du coup, elle va trouver facilement, ouais. Elle va trouver facilement. C'est le problème de mettre la ward et la sentry côte à côte. Moi, je préfère direct mettre la sentry ici et tu mets ta ward loin ici ou ici directement. Comme ça, parce que souvent quand tu mets une sentry, en fait, les gens ils ont tendance à mettre une sentry à côté. Ça commence à changer. Lui, il a fait Maelstrom. Encore greedy, greedy, greedy bull. Et il voit pas la ward de peu encore. Il s'en doute, mais il sait pas où elle est. Ah, il sait qu'il s'est fait charge, du coup il bouge. Oh, 10, oh, 10 le sauve, hein, 10 le sauve. Il se serait fait au slash là, je pense qu'il mourrait. Enfin non, il mourrait pas, mais il aurait pas eu beaucoup beaucoup de chance. C'est bon, c'est bien, la PQ, ils sont en train de forcer, c'est ce qu'il faut. Vanguard sur Spirit. Ouais, il est là juste pour vivre, quoi, il veut juste vivre. Je charge, je lance mon ult. Tant que je meurs pas, tant que je feed pas, je suis bien. Mais c'est plutôt vrai, hein. C'est plutôt vrai. Oh, c'est bien ça. Ils ont réussi à prendre la fight en dehors de la tour. Ça, c'est vraiment bien. En plus, ils ont pris les deux supports. Oh là, c'est bon. Ça prend une T2, même peut-être une T3 si le Terror Blade la fois de. Oh, ça, c'est très mauvais. Très mauvais. Très mauvais. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Zéro. Zéro mana tout. Non, les gars, faut pas se précipiter. Oh, ah ouais, vous avez le late. Vous avez le late. Vous avez 3 carries. 3 carrés une fois que vous avez, une fois que Ursa du ZBKB, ils font 0 de dégâts en face quasiment. Il y a plus de Terror Blade qui fait des dégâts. Non, erreur fondamentale. Les supports se font choper ici et les carries ils vont 2v5 ici. C'est encore pire. Il n'y a pas de tour, il n'y a rien du tout là-bas. Du coup, là ils sont pas chers. Là, PQ ils forcent. Hein. Je réfléchis plus, déjà qu'il domine nouveau score, nouveau tour. Alors, si on regarde le gold, ça va être dégueulasse. 10k gold, 10k gold, t'as quoi comme 10k gold? Quasiment Bloodstone de Luna, ça fait 5k. Et lui, Dragon Lens, ça fait aussi je sais pas combien. Ça fait, je sais pas, ouais, c'est à peu près ça. Bloodstone et Dragon Lens en plus sur eux deux. Bling sur lui, voilà, à peu près, ça fait 5000 tout ça. 10 000 tout ça. Et les man, ils se précipitent à se battre. J'adore cette phrase. J'adore cette phrase. Bon, par contre, bon, il a reculé super loin le Dragonblade, mais ça va. Faut pas essayer d'aller trop vite, mais faut pas trop attendre en fait. C'est surtout ça ce qu'il doit faire, PQ. Bon. Il farm un peu et dès que Dragonblade a son ulti, bria. Faut pas hésiter, Terror Blade, non, pas ulti Terror Blade, ouais, on dit souvent ulti Terror Blade, mais c'est pas ulti Terror Blade, c'est Métamorphosis, ouais, et ulti Tide, plutôt même timing, ouais, à peu près, une fois qu'il y a les deux direct, bra, encore une blade en plus, ouais. Faut qu'il force, parce qu'en plus, lui, il a fait Maelstrom, et Dusa, avec son Split Shot et Samantha, ça défend quand même, quoi, il s'en fout un peu. Ursa il a Blink Vlad, donc c'est plutôt lui qui s'occupe des fights. Ils doivent pas trop tarder quoi. Ah, Roshan est déjà. Roshan n'est pas encore up, ouais. Ursa l'a fait il y a pas longtemps. Il fallait dire Roshan là ce serait pas dégueulasse, mais bon. Still dead. Oui, ils doivent se mettre d'accord juste en. On va top, allez go, top. Il va à 5 et puis bon. Il gaspille beaucoup sa mana le Tide, je trouve. Hein. En vrai. Voilà, ils ont pas le temps de. Enfin. Ils ont pas le temps d'attendre quoi, vraiment pas le temps d'attendre.
Non, par contre, il ulti. Ah, il a pas encore son ulti. Ah, la diffusale qui diffuse toute la mana. Diffusale, oh là là. Il tue Dusa encore à corps. C'est quoi le positionnement de la Dusa, quoi? Elle a ni ult, ni back, ni rien. Et les autres aussi se font avoir comme ça. Et Ursa aussi, il est mort, je comprends pas comment. Il y a un problème là. Il y a un problème de. Moi je dis c'est pas un problème de skill ou de pick, c'est plutôt un problème de communication, je dirais. Ils savent pas quoi faire. Ah, ils voient qu'ils perdent, ils doivent dire on attend tous ici. Ils ont pris PQ après encore 0 tour, la T2 elle était là, la T2 était là. Ils ont eu trois morts en attendant. Rien n'est tombé, ils ont eu 3 morts comme ça. C'est sûr que. Il y a un problème de communication, oui. Oh non, 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 quand même pas de over, ouais, bon, on va voir un peu YOLO. Ah, sauvé par le disruptor, le display à Glimps, je crois. Ah, c'est le seul moyen qu'il ait fait pour revenir, ouais. Glimps en CD, du coup, il s'est fait Glimps. Du coup, ça a bug comme slash, bon, ouais, ça va GG là, de toute façon. Hein. Pas trop grand chose, il y a encore le ravage qui attend si vraiment si vraiment il y a un engage de bâtard. Oh, voilà, il faut stable, il faut qu'elle ulti, sinon elle va se faire diffusal. On aura plus de mana bientôt. Elle a plus de mana déjà. Ouais, oh, c'est un très très bon but. Très très bon. Très très bon but du Tide. Et très très bon but de Terror Blade. Franchement, mental diffusal. Ça fait largement le taf quoi. Ouais, on va se plaindre. 26 charges de Bloodstone, la Lina. Laisse tomber quoi, les Lina. Ouais, c'est par les Lino. Et ils veulent pas GG par contre, hein. Ouais, non, mais moi souvent je dis méga creep, tu le tiens à 60 minutes de game en général. 50, allez, 50, 50, 50 que c'est vraiment. Voilà, c'est ce que j'ai. C'est vraiment rage kit. Attends, je regarde. Enfin, rage kit, non, il a pas livre, mais il a juste déco. Ah, c'est Terror Blade qui appose. C'est Terror Blade qui appose et le mec il a dit assassin appose. Ok. Ah, ils sont pas. Je sais pas si AoN ils sont pas dans la même salle ou si c'est quoi le problème ou si ils sont pas beaucoup joués ensemble, mais y a pas. Là je sens le manque de leader quoi. Y a personne qui dit les gars on bat, les gars on se bat. C'est y a des mecs qui ont dit se battre là, ils se battent là, ils meurent. D'autres qui disent allez 2v5 on va aller ici. Après il y a les autres qui sont pick-up. Ouais, petit charge Bloodstone, mais tu veux faire quoi, man? Pas possible. En premier, méga creep, c'est pas tenable avant truc. Avant 50 minutes. Ouais, ils attendent juste le call. Le truc, c'est que même s'ils arrivent plus ou moins à défendre, peut-être qu'il faudra à peu près 10-15 minutes pour que les T4 tombent. Le seul problème, c'est que dès que la team en face arrive, ils sont obligés de se battre et. Méga plus héros, ils perdent quoi. Méga plus héros, ils tiendront pas du tout, ils ont rien pour tenir. Bon, ils devraient finir. Non, l'autre il a vraiment rage quitte apparemment. Enfin, Clips. Bon. Carnage, ça le fait rire à chaque fois, il rentre dedans comme un porc et il se fait Glimps au cas où s'il va mourir. Il se fait une slash, mais. Leak out, même pas. Ah, Dusa, elle a pas lancé beaucoup d'ulti dans cette game, hein. Je crois qu'elle a lancé un ulti dans la game. Un ulti, voire deux, allez, je suis gentil, je dis deux. Même pareil, je suis sûr que c'est un si je compte bien. C'est un ulti, 90 secondes, oh là. Ah, on fait pas le calcul, quoi. 90 secondes, c'est quasi toutes les 2 minutes, elle peut lancer un ulti. On va dire qu'elle le lance toutes les fights. Toutes les 5 minutes, elle peut les lancer. Elle aurait pu mettre 6 ultis, 4 ultis. Elle en a mis un, les autres elle avait pas de TP et tout, bradada. No comment. Bon, là on va regarder le massacre, hein, no choice, hein, on regarde, massacre, graphique,
35K gold, bon, ok, hein. 35K gold, pour faire simple, c'est quoi? 4 divides? Non, pas 4. 6 fois 7. Ouais, ça, 6 fois 7. 6 fois 7, non, 6 fois 7, 42. 6 fois 5, allez, 6 fois 5. Ouais, 6 fois 5. 5 divides de différence. Simple calcul pour simplifier, ouais. 5 divides de différence. 5 divides de différence, ouais. C'était bon. 5 divides de différence, super pas, quoi. Mais bah, on est des joueurs, voilà, quoi. Très, très, très bas. Le Ursa of Late, c'est du caca, ça. Voilà. Les gens le réalisent pas, mais ça pénalisait un peu tout le monde, le Ursa of Late, parce que Ursa of Late se faisait viol. Et Ursa, en plus, il est pas parti jungle. Enfin, il est pas parti jungle, du coup, les supports ont dû monter. Le problème, c'est que quand il y a qu'un seul support qui monte, 3v2, il perdait quand même. Et du coup, il y a des moments où c'était les deux subs qui montent. Ou même quand il y a un sub qui monte, et ben, de l'autre côté, t'as le jug qui se fait démonter par le tide. Et ouais. Même devient le tide, je pense qu'il l'est violé parce que ils ont commencé tree lane. Du coup, niveau XP, le tide devait être beaucoup, beaucoup plus élevé que les autres. On peut regarder ça, de toute façon. Cinquième minute. Ouais, cinquième minute. Il est level 5. En face, t'as jug level 4. CM level 3. Et disp level 3. Simplement, le truc, c'est que tu dis qu'il y a le disp qui est au top. Du coup, il se tape CM level 3, jug level 4, lui le level 5. Oh là là, il se fait plaise, quoi, il se fait plaise. Du coup, le jug, low farm, regardez, lui, il est quasiment le même farm que jug. On peut regarder graphique aussi. 5 minutes à peu près, c'est là. Ouais, 300 de gold entre les deux. C'est censé être un offlane, il devrait galérer. Ursa, il est obligé, enfin, Ursa offlane, ça marche pas, quoi. Ça pénalise toute la méta. Tout, il feed, en plus il feed, ouais, évidemment, il est mort 2-3 fois avant qu'il réalise que ça marchait pas et qu'ils ont commencé à beaucoup plus tourner. Le problème, c'est que bon, pour ça qu'il meurt 2-3 fois en 10 minutes, c'est de la merde. Pour ça qu'il meurt 2-3 fois, ouais. Pour ça qu'il meurt 2-3 fois en 10 minutes, c'est de la merde, premièrement, mais en plus, il feed. En plus, il feed. Ouais, et en plus il pénalise toute sa team, c'est trop pénalisant, quoi. Enfin, un conseil, hein, pour tout le monde, si vous décidez de mettre deux carry dans la team, mettez un support sur chaque lane et assurez-vous de pouvoir tenir partout. Parce que le truc, c'est que le pick tide, si je me rappelle, pick tide c'était le first pick de PQ. Du coup, fallait s'attendre de mettre une tree lane devant lui si on voulait vraiment bien le tenir. Dual lane, ça allait être assez serré, quoi, dual lane. Dual lane, ça allait être assez serré, du coup. C'est pas, hein, ça pénalise trop l'Ursa, ça. Voulais prendre un avantage sur ça, mais moi, je vois surtout des pénalités sur ça. Ouais. Du coup, il y a ça. Après, de l'autre côté, ils ont vraiment bien joué, hein, protection et tout. KVL, son mid. Je sais pas s'il l'a démonté au mid 10 minutes. On va regarder 10 minutes. Non, non, 10 minutes, ils ont le même farm. Du Zalina, même farm, 10 minutes. Ouais. 10 minutes, même farm. 10 minutes, on va voir les scores. 10 minutes, Lina, 0-0-1, Duza, 0-1-0, oui, c'est sur le gang. Bon, ça, c'est pas trop la faute de Duza, c'était surtout, PQ qui avait fait une bonne rotation. Ouais. Pénalisé encore et encore. Pénalisé, enfin, ça, bon, c'était les bonnes rotations, mais voilà, quoi. C'était pas du tout une bonne idée de Ursa. Je sais pas si c'était last pick ou quoi, mais ça, non, Ursa, c'était le troisième pick, mémoire est bonne, troisième pick Ursa. Troisième pick Ursa, alors qu'en face t'as déjà Tide visage. C'est compliqué. Et Barra, je sais plus c'est qui avait le premier troisième pick, si c'était s'ils ont montré le Barin en premier ou le truc là, ou le ça, mais bon. Tous les cas, c'est vraiment la merde. Tous les cas, c'est vraiment la merde. Ouais. Un capitaine, il faut y penser, ça. Un héros, ça pénalise trois héros, on va dire. Ça pénalise le jug parce qu'il n'est pas vraiment bien farm. Ça pénalise les supports parce que ils perdent tellement d'XP à devoir swap de lane tout le temps et ils savent pas trop qui aider.
problème, c'est que quand ils allaient top, ils aidaient, mais ils pouvaient pas tuer. Et quand ils allaient bot, ils pouvaient pas tuer non plus. Du coup, les supports, ils étaient là, ils pouvaient pas tuer, ils pouvaient pas harass. Parce que bon, la race de disruptor et de CM, c'est plutôt faible, quoi. C'est pas vraiment grand chose, quoi. Si le disruptor, enfin, si le CM prend le risque de mettre son deuxième sort, fort probable qu'elle meure parce qu'il y a un bara. Pareil pour Disp. Du coup, auto-attaque, ça vaut quasiment zéro. Voilà. Pénalise tout le monde. Ça pénalise. Le Ursa pénalise. On va dire 4 héros sont pénalisés à cause d'Ursa. Ursa, Jug, là. Ouais, j'insiste vraiment sur ça, mais c'est vraiment hard. Ces 4 là. Ouais, les 4 héros sont pénalisés à cause de 1 héros. Les supports, c'est triste parce que bon. Ils sont obligés de roter, de faire des rotations. Eux, ils veulent des assists, mais nulle part ils pouvaient faire des assists. Peut-être qu'ils auraient pu gank le mid. C'est peut-être ça qui manquait. Ouais, mais ils étaient trop occupés sur les autres lanes. C'est vrai que si CM ou 10 peut aller au mid, même si les deux allaient au mid, ça, ils auraient pu faire des bons kills. Ils ont. Le CM a plutôt des bons contrôles. 10 aussi, pas mal de contrôles. Bon, niveau dégâts, c'est vrai qu'ils sont un peu short, mais ils auraient pu essayer à 3. Seul problème, c'est que bon. Comme je le disais, les supports, ils avaient leur carry et leur offlane en tête, quoi. Si en plus ils doivent mettre le mid, po, c'est trop la merde. Dans le lobby. Darileri, ils ont pris Darileri en standing. Je crois que c'était lui, c'était une. Ah non, mais là, c'était une. Je veux dire, alors qu'ils ont enlevé. Zay, ils ont enlevé Zay. Ouais, ils ont enlevé leur Zay. Ouais, c'est lui qui a insisté pour le Ursa, c'est vraiment sa faute, hein. Enfin. J'espère. C'est un peu méchant de dire ça comme ça, mais. S'il a forcé le Ursa et que du coup, il se tape un Ursa qui pénalise tout le monde. Oh, il y a eu un bug. Quelqu'un a des commandes du lancement. Hop, son Dota a crash. Dota crash.
C'est bizarre. Mon webcam ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des crashs un peu partout. Par-ci, par-là. On a tous les mêmes bugs. Je vais préparer ma bouffe. Oh, il y a un autre match ici. Oh, il y a Infinity truc. Oh. Il y en a aucun. Oh, on va swap vite fait sur la game. Ça a l'air. Comment ça s'appelle? MQ contre truc. MQ vs. NK, pourquoi MQ? Oh. Nani Kebab. Oui. Oh. Oui.
Oh, on vient gérer les agros. Oh, c'est ça fait plaisir de voir ça. Oh, parfois les gens ils se ratent au niveau du partage de l'agro. C'est triste. Ouais, non, non, ouais, je traîne à côté. Pour l'instant, bon, je ne vais pas rester longtemps sur cette game, mais là on voit combo Magnus Juggernaut. Ouais, Magnus Juggernaut, masse de dégâts au niveau physique. Lui là, il a une masse de dégâts au niveau magique. Avec lui qui a pas mal de contrôle. Ouais, la team de LK, ça fait vraiment peur leur pick. Aïe, bon. Back to the first game. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Naga Siren. Dire team pick. Seconds remaining. Silencer. Dire team pick. Radiant team pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Dire team. I'm back. So. Je sais pas ce qu'il est first, donc peu importe. Match 2, PQ contre AoN. PQ a dominé la game d'avant, ils ont gagné. AoN ban Slark. Slark Monkey. CK, que des carries, enfin, Slark CK c'est deux carries, bon. Ok, ça peut être un carry, un roman, enfin, ok, les semi passent partout. En face, ban Centaure, Légion, Tinker, quoi, ouais, Tinker ça c'est normal. Centaure, Légion, ouais, je suis content. Pixel Hunter, Cotel, ouais, très magique, sûrement les deux supports, Pixel Hunter peut quand même mid. En face, Naga Axe. Ça va tenter des combos. Ça peut tenter des bons combos. Des combos peu possibles. C'est intéressant.
Oh, par contre, Force Pitaga, j'ai beaucoup de confiance hein, pour faire ça. Beaucoup, beaucoup de confiance. Naga. Oh, c'est vrai que Naga c'est pas une bonne compteur mais c'est pas grave. Timber saw. Radiant team pick. Timber. Il va se faire diffuser lui. Il va sûrement diffuser à un moment de la game. Il va sûrement se faire diffuser. 5 secondes remaining. Reserve time. Dire team pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Nix, nix, nix. De toute façon, nix solo off et axe jungler. Enfin, c'est Timber solo off. Timber solo off et Silencer support. Oh, man, vos mana burn. Ils sont chiants. Ils sont chiants, AoN. C'est bien ça. Alors, ça va limiter un peu la mobilité du Axe. Donc, si Axe va lane direct, il suce son mana jusqu'au bout du monde. C'est dégueulasse. Ah non, c'est pas Timber offline, c'est Timber mid. Enfin, il y a deux possibilités, c'est Silencer support Timber mid, Slardar off, ou Slardar roam, ouais, Slardar roam, Timber off, Silencer mid. Les deux sont pas trop dégueulasses. Silencer mid, faut pas sous-estimer, mais right click il est pas mal. Et Slardar il peut très bien solo off, il peut très bien roam aussi parce que il a un stun et il a son sprint. Et puis il a sa chance de bash, hein, ça peut toujours être utile de bash au hasard. Lifestealer. Lifestealer carry. Oula! Ça fait beaucoup de farm. Ah non, c'est Naga support. C'est pour ça que c'est un first pick. Ok. C'est Naga support. Regarde, ok. C'est bien de savoir. Manoeuvre, mon côté. Ouais, ils savent pas, PQ savent pas trop si AoN ils vont partir, ouais, non, ils ont quand même déjà leur mid. C'est pas possible qu'ils aient pas leur mid. Ouais, c'est un peu bizarre. Ban truc, c'est bizarre. Ban OD, c'est bizarre parce que c'est plutôt un carry qu'ils vont prendre AoN à la fin, je pense. Le mid, il est déjà là-dedans. C'est soit Timber, soit Silencer. Par contre, eux, ce qui leur manque, c'est un mid. Ouais, eux, c'est vraiment un mid qu'il leur faut. Ils ont ban OD, du coup, un truc qui démonte OD au mid. Je connais pas trop le niveau mid. Qui démonte OD au mid, je sais pas trop. Non, un truc que OD démonte au mid. Qu'est-ce que OD démonte au mid? Eux non plus, ils savent pas. Ils veulent peut-être prendre le Humber. Qu'est-ce que je leur proposerais moi si j'étais avec eux? Alchemist, est-ce que Alchemist? Ouais, vite fait, ça dépend. Vite fait, Alchemist c'est un peu bof. Bon, aussi, je sais pas si PQ ils ont prévu de faire Naga mid ou Naga sup. Je pense que s'ils voulaient prendre un sup, ils les. C'est un sup, c'est compliqué. Un sup Ruby. Oh, Ruby mid. Non, je rigole. Enfin, contre Timberso il se fait viol, mais si c'est Silencer, il peut tenir. Plus ou moins tenir.
Vraiment, faut le dire, faut le temps quand même, les gars. Ils ont du mal à se décider. Ah, ça stresse. Oh, attention quand même, hein. Viper mid. Ok, ouais, c'est Naga Sup. Viper mid. Viper mid, Axe Jungler et Mix of Lane. Ah, c'est un carry qu'il leur faut par contre, un truc. C'est un carry qu'il leur faut à AoN. Qu'est-ce que je leur conseillerais? Le Slark aurait été pas mal, mais ils l'ont... non, en fait, pas Slark. Je sais pas trop, range, corps à corps, ça marche. Fonction, en tout cas, c'est costaud, assez de dégâts. Oh, Luna, pourquoi pas. Luna, ce serait pas dégueulasse. Pourquoi pas. Je sais pas, moi. Luna, ce serait pas dégueulasse. Qui d'autre? L'Android, est-ce que l'Android ça passerait? L'Android ça serait pas dégueulasse non plus. Troll, ouais, troll aussi ce serait pas dégueulasse non plus. Ils ont pas mal de choix. Sniper, non, sniper ce serait dégueulasse par contre. Sniper ça marchera pas, il se fera démonter. Ah, Luna, ah, I got right. C'est bizarre, PQ ils ont ban un mid à la fin alors que j'allais pas encore prendre un mid alors que bon c'est largement un risque qui leur manque. Camicri. Petit support, il est parti avec deux wards de sentry, donne une ward de mid. Non, je crois qu'il donnait une ward de mid. Ah non, je crois qu'il était parti sentry, mais je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il fait là, mais... 30 seconds to battle. Un tard, c'est beaucoup de ward. Timber mid. On lui a donné des tangos et une ward. On part sur quoi? Attila! Oh! Attila, qu'est-ce que tu t'aimes ici? Si ça part sur...
Oh, il y a Cotel. Cotel Lane. Oh, c'est chiant, Cotel Lane. C'est la merde. Cotel Lane. Oh, la gueule, je sais pas ce qu'elle fait. What the fuck, man? C'est Axe Lane et Nid Jungler. Oh là 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 là, ils sont dans le futur, ces mal-là, mec. Oh là là, c'est la première fois que je vois ça de toute ma vie. Nid Jungler. Axe of Lane. Ça sent le caca. Il a déjà utilisé deux tambours et il a à peine fait un camp quoi. Je sais pas quoi faire, on va les bot. Oula, je sais pas c'est quoi ça, mais ils vont beaucoup se faire dominer Pécure avec ce genre de line-up dégueulasse. Qui va sur le rond, donc ça a beaucoup de régène. Ouh, pas mal. Pas mal, si on va le tuer, mais ça va être du cadeau. Pas mal, juice capacity, non, yes, non. Ouh, pas très joli, Steven. Oh, ça va pas dans ce temps-là, les Steelers, ils font pendant qu'eux, ils sont en train de se taper. Je sais pas pourquoi ça GG ici. Oh, y a un Kamehameha qui part. Tiens le bad Jutsu Capacity. Oh lolo. Jutsu Capacity. 1 milliard pour qui? Give him 1 milliard. Vraiment bien joué de sa part. Oh, surtout que l'autre il a mis un stun AoE. Du coup, s'il aurait été dans cette zone là, il serait mort. Et le mec il était dans le coin ici. Vraiment bien joué. J'ai hâte de level de son armure. Niveau élastique 13, Timber 9, Viper. Oh, le Viper devrait avoir un peu plus d'élastique quand même. Viper, ça fait mal au right click. Et du coup, pour l'élastique, c'est vrai, assez facile. Ça commence à souffrir aussi. Level 4, il a pris deux fois le 1. Il a pas pris le 2 du tout. Ok. Kamehameha. Kamehameha boy. Elle pleure. C'est pas si. Ces dégâts magiques ne sont pas suffisants pour un truc. L'arrivée ici, ne sont pas assez élevés pour casser la réactive. Ouh, c'était ici. Ils ont du tout lancé. Hein. C'est cru un peu trop bon là le truc. Comment ça s'appelle? Lardar, trop confiance en lui. Oh, il était drôle. Il était drôle.
Oh, Miss. Sad Miss. Tu coupes 3 fois le 3, c'est un peu trop, je trouve. L'avantage de ça, c'est qu'il est, il survit super bien, il tente super bien. Seul problème, c'est qu'il fait pas de dégâts. Et la limite qui fait pas de dégâts, pour moi, c'est pas super. La limite qui peut pas faire pla pla pla. Et qui après. Ouais, ils ont pas tenté. Ouais, il a juste à BKB mettre son 3 et vous aurez éclaté vous deux. Ouais. Super la popo. Mais qui fait quoi maintenant? On rentre plus ou moins avec Oh, il l'a pas vu. Je crois que tu avais la vision dessus, il l'a mis à portée, mais il l'a pas vu. Il ne sait pas, mais il est encore là. L'Astiller, bon, il est plus compliqué pour lui. 32 élastiques pour l'Astiller. 33 pour Slardar. Oh là là. Pour Shrine. Mardi qui veut là. Peut-être une vague porte comme ça. Compliqué, compliqué. Luna elle est à combien? 45 le stylaire. 45. Oh, c'est bien pour quelqu'un qui est sonné. Ouh, bien joué le TP de ça. Pouf, je peux faire le pouf. Pas encore le deny. 72 ans, ça passe, c'est dégâts. Pas encore en plus, il push du coup. On peut pas le taper. C'est pas le taper mieux. Ouais, on a même plus.
beaucoup de dés du coup. Il fallait prendre des risques. C'est une ouverture un peu en retard. On va pas continuer à faire un coup. Hop, c'est super riche. Pour 45 lastites, c'est pas mal. Oui. Non, ça l'a pas eu. Ouh là, la mauvaise chaîne. Bon. Faut mettre la BKB, sinon tu vas être silence. C'est trop tard maintenant, il est plus slow. Mettre la BKB dès le début parce que comme ça tu débuffes tout, tu prends moins de dégâts et tu peux taper. Oh, tout le monde arrive bon, Crotel aussi, Naga aussi. Oh, il voit la Naga. Oh, le bon qu'il a ça, ça débuffe tout. Oh, là, ici, là, qui se perd. Donc Sardar il a pas trop de trucs. AoN prennent des kills tout seul isolé. Pas trop dégueulasse je crois. 2 en face, 2 à 3. Wow, c'est quand même mieux là. Après lui il a hérité d'une tri-lane. Ouais, mais c'est le axe, axe est vraiment puissant. Bon, tu me dois rentrer. Peut-être. Oui, t'as vu, il est top. Oh, bien sur Axe. Et dis-moi encore. C'était un peu risqué ce qu'ils ont fait AoN. J'ai l'idée de passer à côté de leur, autant, aussi près de leur tour. La Steeler il l'a si bien pour un mec qui est tout seul. Oui, pas assez loin. Ça va pas trop vite. Oui. Ça se passe déjà. Slardar, dead.
possible. Oh, il se colle. Toujours chaud, des terres. Oh, le Naïut. Ça tue. Naïut, ça tue. Oh, Asbinky, il a pas eu la Luna. Oh, Slardarbik aussi. Ça, il est plus compteur. Le Gossabre. Oh, c'est pas dégueulasse. Comptez de faire gaffe. Ouh, oh, non, ça va, ça va pas, c'est mal. Fast F. Ah non, il y a bientôt une fight. Je vais F4 tout à l'heure. Oh, Cotel tout seul. Oui. Montrez pas des gens là. Il y en a plein. Explique toujours. Un peu trop loin, il y a plus de mana. Oh, ça va. Oui, ça va. Je reviens. Cacahuète. C'est un crabe. Désolé. Oh, je fais FK vite fait. Oh, Timber, si. Oh,
Global silence, oh, shrine. C'est pas de mourir de. Il a eu. Oh, oh, on est rentré dedans direct. Ouh, il a réussi à éviter le col, mais. Je pense que c'était une bonne idée de rentrer comme ça aussi vite. Oh, oh. Non. Ah, il y a une chance, il faut qu'il fasse changer pour ce combo. Ouais, c'est quand il hésite entre partir sur Timber, partir sur. Ouais, il peut plus bouger. Oh, il a pu le faire. Donc, revenons à mon été. Attendez, je vais. Okay. Graphique, 32 gold pour nous dire ce qu'il veut dire. Nous dire, c'est. PQ. Qui m'a d'appeler 4 millions. Item. Les premières charges que je viens d'avoir sur moi. On va faire Blink. Blink, sérieusement, j'ai pas envie de faire une résistance magique. Pas ça dégueulasse, mais j'ai envie de faire une résistance magique. Putain, par contre, il y a des copains de CK, je sais pas ce qu'ils font. Hein. Mais là, c'est tout le monde qui devrait être sur le top. CK, ils devraient. Enfin, attention parce qu'ils ont tous SS. On a mis, bon, c'est pas très important avec le BK découvrir. Quand il va galérer. Ouais, il faut plus ses armes. Bon, je sais pas, ils sont où ces potes hein. Ils sont méga méga loin, enfin je sais pas ce qu'ils font ces poches. C'est bad ça. Ces potes ils sont ici au bot alors que la dernière tour elle est en haut. Faut forcer normalement. Enfin, faut forcer. Faut y aller quoi, même si même c'est pas forcé, mais au moins tu farmes ici et après tu montes tranquillement. C'est beaucoup mieux. Ils perdent une tour, je pense, sauf s'ils sont vraiment vraiment chauds. Mais bon, ouais, ici il a même pas d'ulti donc. Je vais reprendre. Ah, attendez, il y aura une. Ah non, il n'y a pas de terre. Ah si, il y a une terre. Là, c'est un fight mid. Une future devrait commencer à converger ou à forcer le poche, je sais pas, quelque chose. Essayez de forcer le poche. Personne ne shrine. Ils n'ont pas de truc. De fortif. Carnage, il est pas là dans notre chasse. To
bottom tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Désolé pour le FK. De 19, c'est trop ce qui s'est passé. Oh, il y a un retour de la même situation. AoN domine. Pas mal. Ils ont pris la T1 mid, T1 bot. Ouais. Ils vont partir sur le T2 bot. Ouais, ils sont bien leur mid game. La FTV a toujours pas informé. Il est parti sur Silver Age. Non, sur Silver Age. Sur comment s'appelle le silence. Oh, 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 Axe. Attention, fais les silences. C'est en silence, putain. Je suis menace. Petit menace, ça fait mal. Axe fait si, mais ça va, il faut toujours. Blade Mail. Fais silence, attention. Silence toujours. Oh, il n'a pas eu le temps dans ses ABKB. Il s'est trop précipité. Trop précipité, je trouve. Oh, tu aurais pu chanter un peu plus tôt. Chanter le temps qu'il ait sa BKB, le Lifestealer. Si Lifestealer il avait juste réussi à lancer sa BKB, ça aurait été bon. Il avait les 2 kills au moins, voire 3. Shadow Blade. Oh, oh, trop gourmand. Trop gourmand. Ouais, il faut jouer au merde maintenant. Aïe. Ouais. Jouer au merde contre Timber, c'est pas fun. Oh, il perd. Oh là, ça pas blink. Blink imaginaire. Oh, le stun. L'armure du truc est partie. Juste avant, l'armure du mix est parti juste avant. Oh, T-Wardage de AoN, pas mal.
Oh, Timber, il est pas mort de... Oh, ok, il a fait direct le tari. Timber, là, il est plutôt bien. Plutôt très bien, là. Prédateur, oh, ils sont super bien revenus dans cette game. Elle, elle a fait Silver Edge. C'est sûrement plus facile de l'autre. Bon, passif de Arc, c'est dégueulasse. C'est passif de... Comment ça s'appelle? De Viper aussi. Bon, faut faire gaffe, toujours 23 charges, là. Oh. Silenced. Qu'est-ce qui se passe là? Il est enraciné encore. Ok. Mais il pourrait pas essayer de faire, hein. Enfin, bon, non, peut-être pas. Quoique, avec un monster. Oh, pas mal, pas plus sage. Ça s'arrête pas évidemment. Oui, oui, attention. On va s'arrêter là. Oula, un peu mal lancé là, si quand même. Un peu mal lancé, je trouve. Aïe, il s'est fait call et. Il est parti loin. Oui, il a mal lancé là, si sur la. Sur la dernière fight. Enfin, sur la dernière action. Top, c'est parti à la chasse. Hein. Timber qui arrive. Là, Timber il est chaud. Timber est chaud. Timber déterre, mais bon. Et on voit qu'il y a Axe et ça devient compliqué avec Axe. Par contre, il est revenu à la vie super vite, le Timber. Avec ses 24 charges tout à l'heure. J'ai bien entendu une BKB, ouais. Oula, ça part sur Radiance direct. Radiance, est-ce que c'est une bonne idée? Oh! Bon, lui fera des miss. Fera des miss et. Lui aussi. Ah, il a fait Silver Edge par contre. Ah, Silver Edge, ouais, mais la Silver Edge ça bat pas la Radiance, mais ça bat juste les passifs de Timber. Ok. Rencontre. Oh, oh, mais ce slow peut-être. C'est trop tard. C'est trop tard. Oh, lui qui TP avec la Silver Edge. Du coup, il régénère pas depuis tout à l'heure. Ouh. 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 Aïe 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 aïe. Un peu trop risqué ce qu'ils ont fait. Un peu trop risqué ce qu'ils ont fait. AoN, ils auraient pu juste back et prendre du zéro. Enfin, ils auraient pu ne pas aller là-bas, tout simplement. Timber commence à perdre de sa bluestone, non? Plus que 10 charges, alors que tout à l'heure, je crois que c'était environ 20. Ça fait beaucoup. PQ essaie de counter push, quoi. Il devrait un peu se calmer. Comment ça s'appelle? Oh, calme, calme, calme. Calme, AoN. Vous avez le temps. Oula, elle s'est fait dust. Toujours pas de Roshan. Je sais que c'est un peu compliqué. Quoique PQ peut le faire assez bien Roshan. Ouais, et Trip aussi ils peuvent le faire. En vrai, ils peuvent le faire grâce à Slardar. Slardar, c'est pas assez bien pour Roshan. Oula. Ça commence à s'arrasser tranquillement. 2000 de mana, le petit morceau. Ouh. Il faut pas se précipiter sur l'engage.
Oh, tranquille, tranquille. Oh. Là, comment ça prend le cher. On peut plus tourner le Axis Effet Silver Age. Il est peut-être au courant, mais il tourne plus si. C'est qui chante, c'est Naga. Naga est lui. Oh, il accepte de sortir. Aïe. Deuxième mort. Silver Age mais pas assez. Silver Age mais pas assez pour tuer. Pas assez pour tuer. Timber il part sur truc. Comment ça s'appelle? Le secteur. Il a laissé tomber son unité de radiance. Il a les. Pour faire. Ah oui, c'est pour. C'est pourquoi il fait, se fait Silver Age ou Orchid. Au moins avec Yules il peut debuff. Dissipation basique, ouais, basique c'est suffisant. Silver Age, est-ce que ça peut être dissipé? Oh zut, je me suis trompé, j'ai appuyé sur. Ils disent pas le type de dissipation. Je pense qu'une dissipation basique ça l'enlève en hein, Silver Age. Ça coule au Rochane et les deux teams sont pas très très loin. Si la FCR qui est un peu loin. Oui, il y a une BKB là dans la team, mais je pense que c'est qui. Viper BKB, ouais. Lui il a fait Ghost parfaitement normal. Shadowblade, ouais. Lui il a fait. Dean qui va faire Shadowblade, je suis pas trop fan, mais c'est pas bon. Et... Oh, c'est un Darmark. Pas de war de. Comment ça s'appelle pas là. PQ n'a pas war de rush donc. Nous ils ont fait des wards, je sais pas trop. Du coup ça les pénalise à fond. Ça pue T2. Bon. Passe pas trop au niveau de la T2, Timber qui passe par au bas, lui qui scoute avec son envie, ouais. Il peut se faire personne. Oh là là. Oh, c'est pas dégueulasse, il a global. Bon, il y a encore une petite nada. Oh là, vous pouvez le tuer, non? Timber, Timber. Nix qui est coincé en bas, Timber toujours entouré par trois gars. Oh, Blink Call de ce côté. Viper qui est en train de rafale ici. Nix qui est en train d'essayer de se battre contre Luna, mais c'est trop tendu, du coup, il s'est calmé. Oh là, ça peut revenir. Ouh, très beau call. Il a call 3 mecs, le axe. 4 mecs, le axe. Ah ouais, mais il y en a un, c'était le carry, hein, le prochain carry. Je vais aimer, ça reviendra quand même. Aïe, 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 aïe. C'est bien joué. C'était une belle fight, mais bon,
J'ai peut-être dû attendre T3 les PQ. J'ai attendu T3, je sais plus trop. Il a le mec, lui il a le poste pour se sauver. Je vais aider par lui voir ça. Donc tu sais ce qu'il y a, pas de raison de faire les choses. Ça vient de tirer un sort ciblé. Slardar 1, Luna 1, Kotel 1. Donc c'est vrai. Par contre, je pense pas que ce soit lui qui doit faire, la nickel. Il devrait plutôt faire une. Il a déjà la pupe. Non, je sais pas, ouais. Ouais, c'est pas. Ouais, j'ai pas trop envie qu'il fasse des maintenant nickel, mais je comprends que le nickel soit utile. Il va pas marcher, je pense, il fait nickel pour ses potes alors. Pauvre AoN, ils attendaient pendant une smoke pendant les 20 secondes. Il a shadow blade un peu trop près, le Stardar, je pense c'était pas mal. Enfin, ouais non c'était risqué mais il était un peu trop proche avant de se donner. Ah il est sous AC. Ils sont partis pour le bot. Viper Viper Naga, ça peut faire le taf. Oh là là, je suis pas trop d'accord. Lui, il est vraiment en train de faire la forme. On se moque là ou pas? Je pense qu'on se moque. Pas. Il a juste une marque, mais il a plus de plus. Oh, il a eu le temps de faire Spoon Basher avant de partir sur Silver Age. Je sais pas si c'est une bonne idée. Oh, c'est pas dégueulasse. Oula, petit Naga c'était pas trop mauvais si ils auraient bien su jouer avec. Oh le mec il push avec ses idées, on va s'y mettre aussi. Oula lui il va mourir hein.
sauter au loup, mais il n'a plus rien pour servir derrière. Oh, Wax, il peut pas blink à cause des trucs de Luna qui rebondit depuis tout à l'heure. Luna travaille. Oula, Luna commence à être bien bien bien. Ah, okay. 3 gros items, 1 ça va. C'est ce qu'elle dit. Donc le bébé, faut pas oublier, ça le sauve. Hard arrive aussi. 50 minutes de game, le mec il a que tranquille, ghost. C'est hard d'être dessus. Non, il push pas, donc puis tu décides de reculer un peu. Regardez un peu les stats. C'est AoN. AoN, AoN, donne-nous de gold. Donne-nous de gold. Ça va encore, c'est pas trop. Mais... fais attention. Pourtant, ils ont moins de score, mais c'est dû au peu, je pense. Peu, je pense que. Peu, j'ai farm parce que. Ils ont pris toutes les TNT2. Alors que PQ, ils ont pas encore pris. 2 T2. T2 mid et T2 top. Du coup, ça ping Roshan? Est-ce qu'ils les ont vus? Ouais, ils les ont vus, il y a une ward. Mais ils sont pas assez rapides, je trouve. Par contre, il faut que le axe il y aille vite, quoi. Le axe il est en train de se branler. Oh, le axe il fait du caca là. C'est bon, c'est trop tard maintenant. Quasiment. Et aussi, nique pas ce truc. Colle. Il met, voilà. Il doit arriver, voilà. Le d'abord, si vous pouvez, si vous pouvez. C'est quand il veut le rochat. J'ai pas réussi à le tuer, le bottle, il a plus TP. Voilà, Axe, pas grave si tu veux, Warfit. Voilà, c'était vraiment risqué ce qu'ils ont fait à AoN et Roshan comme ça, ils ont aucun avantage. Est-ce qu'ils avaient la vision au moins? Oh, ils ont une vision moche en plus, regardez, ils voient pas ce qui arrive d'ici, enfin ils voient pas, c'est pas bien ce qui arrive d'ici, d'ici rien du tout. On va retenter. Poche, hein. La désolator, le Lifestealer, je crois que ça va assez vite. Ils ont pas encore perdu le truc.
Là ça va Nick. Heureusement il est intercepté. Petit temps de repos juste pour qu'il ait sa BKB lui il met des mots. BKB, instant BKB, BKB, troisième sort. Voilà. Oh. Oula. C'est pas super ça. AFK Silencer ou quoi? Là. Oh là là, le life stealer il récupère une présence PV à chaque été contre le truc. Et par contre, il va venir vite les autres. Oh là 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 là. Bon, c'est à col. Oh, il est sous le mana. Mana burn. Oh là là. Bien joué le Cotton. Oh là là, le bâtard. Le Cotton, il a mana burn. Le axe, du coup, le axe, quand il devait bouger et qu'il est. Et tout, il n'arrivait pas quand il avait plus de mana. Il perdait de la mana. Et... Après, il savait plus trop quoi faire. Pour... Il savait pas trop s'il pouvait encore du col ou pas. De côté, ça rush direct le Timber. Timber, il est fat du coup. Force les buybacks, il a forcé deux buybacks là, 3, je sais plus, 2, 3, ok. Forcé deux buybacks. Life Stealer et l'autre là. Life Stealer et. Vous avez pas besoin de tous les buybacks, mais ils sont pas mis d'accord en fait. Je pense que juste un ça aurait été assez pour le faire peur. Bon, je sais pas ce qui se passe. Le stealer, c'est quand il a fait un kill. Ok, là, pick up. C'est bon, ça. Et là, c'est compliqué pour PQ. Ils savent pas trop quoi faire. Je pense que là, AoN, s'ils forcent, ce serait pas mal pour eux. Ou ils ont utilisé des boybacks aussi? Je sais plus. De la quoi, madame. Quelqu'un qui ping en défense de 3. De l'autre côté, il y a une team, il y a quelqu'un qui ping en bas de prendre le shrine. De marron, Pinzikin marron, marron, c'est le tueur. Ok, on va tenter de défendre là comme ça. C'est trop mauvais de leur part. Partebot. Je suis en top. Maga, Grimes. Pas de sentry des... Je sais pas s'ils ont pas ou s'ils ont pas posé juste dans le... Ils ont pas. C'est plus cher peut-être. Ils ont pas. Ils ont pas de sentry alors qu'il y a un X en face. On va essayer de choper le Timber, sauf s'ils s'isolent trop. Hein. Là ouais mais il a AoN. Le menu ça le sauve trop.
petit berceau, voilà, ils l'ont tué super vite. Il a bug back, quoi, ouais, c'est normal. Ouais, axe call, oula! Il en a eu pas mal le axe là, il en a eu pas mal sur son call. Oh, da da da, axe qui tente, voilà, oh, il se fait démonter là-bas de son côté, mais il y a Timberson de côté qui tient, ouais. Oui, le F-Tiller lâche pas prise. Oh, Song, oh, faut se mettre d'accord. Non! Si, c'est bon, ça les tous ils sont provoqués, ok, 1, 2. Faut pas oublier, il a déjà bu back l'autre, il a déjà bu back le. L'autre, comment il s'appelle, je sais plus. Il a déjà bu back le. On voit pas. Ah si, le. Ah non, cette voix ne monte pas là-haut. C'est possible qu'elle ne monte pas là-haut, je sais pas trop. Ah, rush direct. Timber a déjà bu back et. Ils sont bu back et tout, c'est super longtemps. Je te dis dead. Il est très belle. Vas-y, go. Vas-y, go. Fast, fast, fast. Non, il a pas encore la BKB. Il a pas encore la BKB. Pas encore la BKB. Voilà. Le back Luna, un peu tard quand même, le back Luna. Vous voyez qu'ils allaient forcer et que bon, il allait défendre. Ouais, non, elle a pas son ulti encore. Oula, Viper, il BKB un peu vite. Je comprends pas ça. Ils ont décidé de full back apparemment. Ouais, ils ont forcé le bug back de Luna, donc ça va. C'est war quoi. Ils ont forcé le bug back de Luna et ils ont les rats. C'est bien. C'est plutôt bien, ouais. Pas trop greedy. Plus leur buyback revient plutôt parce que 1 minute 40 la buyback de Lifestealer, ça doit être pareil pour Viper. 1 minute 48 et lui pourtant il en a encore pour 6, non 4, 48 et 6, ouais. Du coup niveau buyback ils sont avantagés, par contre il faut qu'ils utilisent le bon time. Dans 2 minutes ils doivent y aller à peu près. Prochain et up. Prochain vient de up. Ah non, pas encore. Alors, si j'utilise bien les timings, ils y vont à peu près dans une minute. Ouais, ils doivent forcer maintenant. Oh, prochain état réapparu. Pour le faire. Par contre, il faut qu'ils se placent bien au niveau team parce que là, j'ai l'impression qu'ils sont séparés. Ah ouais, ils sont bien. Ils sont tous là, ils sont 5. Par contre. PQ, il y en a un qui est bot et il y en a trois qui est top et il y en a un qui est mid. Ça sent un peu caca. Skadi. Skadi satanique. Oh là là. Par contre là c'est eux qui forcent et ça ils sont contents qu'ils ont faim. On va être plutôt content. Par contre, la fileur il est trop haut là déjà. Oh, ouais, mais il a une houle, il a une houle, une houle à chaque fois. On va calmer. T'as pas encore ton outil, t'as pas encore ton buyback le truc. C'est Kai. Oh, le Shrek qui sauve. Outil en plus. Oh zut alors, cacahuète. Le axe il était déjà chaud, il a déjà call. Le axe a déjà call et. Il n'y avait rien. Oula, Stiller, c'est compliqué. J'ai réussi à viser la bonne, ouais, mais il s'est fait pike. Timber sous qui tape. Axe qui essaie de prendre l'aggro. Lifestealer qui rush toujours sur. Rush toujours sur truc. Sur Luna, il l'a pas lâché. 3, fini. 1, lui. Pour juste. On devrait travel in et push quoi. Time to push, la VL travel in. Pour qui travel, faut direct aller mid. Mid, il s'est déjà quasiment arrivé les creeps. Évidemment, il va faire ça, il rentre mid. Ils font le bot, mais ils font le top. Ils ont à peu près 60 secondes pour le faire. C'est bon quoi. Par contre, le axe il est un peu en retard. Encore en train de faire du, je sais pas. On peut déjà être là.
Oh, ok, fini son life. Ça finir aussi, c'est cool. Ouais, ils ont raison. Ça reste encore 30 secondes. Ils ont un Viper et ils ont eu un Désolator. Ça fait vite. Well play les. Et puis là, ils ont bien géré. Cette game fut un petit peu plus serrée que celle d'avant quand même. Juste que je pense que sur la dernière action ils se sont un peu trompés là. AoN de vouloir push alors que ils avaient plus de buyback et que Life Stealer ait commencé à réavoir son buyback. Push sans buyback c'est risqué quoi. C'est des pics. Ouais, c'est quoi ce pic? Ce pic c'est quand Life Stealer et ah oui, c'est quand Life Stealer et Viper ils ont du buyback. Et après attraper. Il fallait pas au moment de leur buyback repartir encore sur le fight. Buyback et après ils se re... Enfin, buyback et juste après ils refight alors qu'en face ils ont buyback il y a déjà un peu longtemps. Au limite. Bon, on va le play encore.